la petite formation va se dérouler en deux parties. Il y aura une grande partie sur justement l'alimentation équilibrée pour le grand public, hein, pas forcément les personnes âgées. On fera aussi un petit point sur le diabète de type 2, qui est une pathologie qui touche quand même beaucoup de personnes âgées, et enfin la dénutrition. Voilà. Donc, on est parti, on va parler d'alimentation. Donc d'abord, pourquoi il faut manger équilibré? Pourquoi on nous en parle? Donc manger équilibré permet de maintenir une bonne santé. Ça joue aussi un rôle sur justement la prévention, donc des maladies cardiovasculaires, du diabète, du surpoids ou de l'obésité. On lutte contre les idées reçues, les présentations, les croyances, les phobies que peuvent avoir, alors pas forcément les seniors, hein, toute la population française en général, qui justement se documente à travers les magazines, la télévision, les régimes qu'on peut trouver sur Internet et qui vont bientôt sortir après les fêtes, comme chaque année. Donc voici. Alors, qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? Donc, il faut savoir qu'il n'existe aucun aliment qui apporte tous les nutriments nécessaires au fonctionnement de notre organisme. Sinon, ça serait très simple, on prendrait une pilule avec tout ce qu'il faut et puis ça serait fini. Chaque aliment apporte des nutriments différents. Donc, on a deux catégories de nutriments. Les macronutriments, peut-être que vous avez déjà entendu les protéines, les lipides, les glucides. Et les micronutriments, donc les petits nutriments, que ce soit les vitamines, les minéraux ou encore les oligo-éléments. Donc, on a regroupé tous les aliments en sept groupes que vous connaissez peut-être, qui apportent chacun et des macronutriments et des micronutriments. Donc, on va voir justement à la loupe chaque groupe d'aliments. On va commencer par les boissons, donc que ce soit l'eau minérale, l'eau gazeuse, les thés, les infusions, le jus de fruits, je le mets un petit peu à part. Que nous apportent les boissons? Les boissons nous apportent des minéraux, des vitamines, permettent la bonne hydratation du corps. Certaines boissons apportent également du sucre, donc les glucides, vous voyez les jus de fruits, la pastaque, c'est apparu. L'eau est la seule boisson indispensable, bien sûr. Les sodas, l'alcool ne sont pas forts, ne sont pas indispensables, mais participent au plaisir comme beaucoup d'aliments. À quoi sert justement les boissons? À nous hydrater, à répondre à nos besoins hydriques. Savoir, voilà, comme ça s'affiche, 60% de notre corps est constitué d'eau. Pour faire un petit point justement par rapport aux seniors, plus on vieillit, plus on perd de masse musculaire, on gagne en masse graisseuse et justement on se déshydrate par ce fait. Au-delà de ça, on perd la sensation de soif. Donc c'est très important que les personnes âgées s'hydratent tout au long de l'année. Faut savoir que quand on a soif, on est déjà déshydraté. Donc il est important de leur proposer des boissons tout au long de leur journée. Ça permet aussi de... Donc ça, c'était le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les viandes, les poissons, les œufs. Que nous apporte ce groupe d'aliments? Il nous apporte des protéines animales, plus ou moins du gras, donc les lipides, et du fer. Donc ce groupe d'aliments est essentiel pour justement le renouvellement cellulaire. Donc, les muscles, bien sûr, mais aussi toutes les autres cellules de l'organisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes âgées subissent malheureusement une fonte musculaire qui est assez importante, qui commence très précocement. Donc, c'est important que dans leur alimentation, on retrouve des sources de protéines à chaque repas. Ces protéines permettent également de transporter de l'oxygène via le fer. Donc ça, c'était le deuxième groupe. Le troisième, les céréales, les féculents, les légumes secs et le pain. Que nous apporte ce groupe alimentaire? Il apporte des glucides complexes ou sucre lent, on entend plus fréquemment. Des protéines végétales, donc notamment au niveau des légumes secs, ainsi que des vitamines et des minéraux. Donc, le rôle principal des féculents
et d'apporter de l'énergie à notre organisme. C'est une principale source de glucides lents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça évite d'avoir des coups de pompe, ça limite les grignotages, les hypoglycémies. Donc, hypoglycémie, c'est quand on n'a pas assez de sucre dans le sang. C'est assez fréquent, justement, chez la personne âgée. Donc, il est vraiment important d'avoir une source de protéines, un féculent et de l'hydratation. Autre groupe, les fruits et les légumes. Donc, peut-être que vous le savez, j'en suis sûre, ça nous apporte de l'eau. Alors, 80% en moyenne, des vitamines, des fibres et des minéraux. Les fruits apportent également du sucre que l'on appelle fructose, qui est un sucre rapide. Donc, l'intérêt des fruits et des légumes, c'est d'apporter des vitamines, des minéraux et des fibres. Donc, vitamines et minéraux rôle antioxydant, donc qui protège les cellules de notre corps contre le vieillissement. Et les fibres permettent la régulation du transit intestinal. Donc, justement, en vieillissant, on se rend compte qu'on a de plus en plus de dérèglements intestinaux, donc que ce soit de la diarrhée ou de la constipation. Donc, c'est important justement d'avoir un apport de fibres suffisant. Autre groupe, les produits laitiers. Donc, fromage, laitage. Eux nous apportent du calcium, donc, qui joue un rôle sur justement la solidité osseuse, des protéines, plus ou moins des lipides, des vitamines A et D. Et très peu de glucides, on retrouve quand même un petit peu de glucides que l'on appelle le lactose. De toute façon, tous les mots qui finissent en ose, ce sont des glucides. Mais vraiment, très peu de glucides à l'intérieur des produits laitiers, sauf les produits transformés, bien sûr, auxquels on peut rajouter du sucre, des produits. Les produits laitiers permettent donc, comme je vous l'ai dit, le développement des os et des dents. Très important parce qu'en vieillissant, les dents s'effritent. Sans parler de tous les problèmes justement de mastication qui en découlent. Ça joue aussi un rôle sur les muscles, ça prévient l'ostéoporose, qui est justement la fragilité osseuse qui peut alors entraîner lors d'une chute une fracture qui va mettre beaucoup plus de temps à se réparer. Donc pareil, produits laitiers en par repas. Autre groupe, on a deux catégories de matières grasses. La matière grasse animale, avec par exemple le beurre, la crème fraîche, et les matières grasses végétales, avec les margarines et l'huile, les huiles. Donc, le beurre et la crème fraîche, ça apporte des lipides, hein, du gras, mais sous forme d'acides gras saturés, on va en rediscuter juste après, et de la vitamine A. Alors que les matières grasses végétales apportent bien évidemment du gras également, des acides gras que l'on appelle essentiels et de la vitamine E. Donc le rôle des matières grasses, c'est déjà une source d'énergie. Il faut savoir que les matières grasses sont très caloriques, mais qu'il en faut absolument dans notre corps justement pour protéger contre les maladies cardiovasculaires. Elles permettent aussi la synthèse d'hormones et joue un rôle dans la constitution des membranes cellulaires. Donc, on va justement parler un petit peu plus des graisses. Donc, vous voyez, on a le petit ange et le petit diablotin, donc, qui symbolisent le bon cholestérol, le HDL, et le mauvais cholestérol, le LDL. Vous avez sûrement dû en entendre parler, même dans vos bilans sanguins. Justement, les aliments qui apportent majoritairement des acides gras saturés font que le LDL, donc le mauvais cholestérol, augmente. Les aliments sont par exemple la viande grasse, la charcuterie, les œufs, le beurre, la crème fraîche, le fromage. Et on a aussi des aliments qui apportent majoritairement des acides gras insaturés. Donc, à quoi servent ces acides gras insaturés? Ils augmentent le bon cholestérol, petit ange, et diminue le mauvais cholestérol, le LDL. Donc ça, c'est très important d'en mettre dans notre alimentation. On ne mange pas assez, toujours pas assez. Poisson gras, ça peut être du maquereau, de la sardine, du saumon, des huiles végétales, notamment l'huile de colza, qui est très riche en oméga-3,
l'avocat et les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les amandes, le cajou, les noix. Donc, trop de LDL dans notre corps favorise ce qu'on appelle les plaques d'athérome. Alors, c'est un nom un petit peu complexe, c'est tout simplement des plaques qui se disposent justement, qui se déposent, pardon, dans nos vaisseaux sanguins. Donc, en vieillissant, on se doute bien qu'après 70 ans, justement, de plaques qui se forment, on peut observer des AVC, des thromboses. Donc, ça, il faut faire attention de ne pas trop manger de matières grasses riches en acides gras saturés. Il faut trouver un équilibre. Il faut tout le beurre, le fromage, toute la charcuterie. Il faut juste manger à côté de ça du poisson, des huiles végétales, des noix, des amandes. Et surtout, pratiquer une activité physique régulière qui va justement augmenter la quantité de bon cholestérol. Donc ça, c'est important quand on fait un bilan sanguin, surtout passé, allez, on va dire 60 ans, de consulter, que ce soit un diététicien, un nutritionniste, un médecin généraliste qui a des connaissances sur ça, de voir comment justement on peut améliorer naturellement sans forcément faire appel aux statines, qui sont des traitements pour faire baisser le cholestérol et qui se prennent à vie. Donc, avant de passer par les statines, voir ce que l'on peut améliorer dans l'alimentation et se mettre plus intensément à une activité physique. Autre groupe d'aliments, les produits sucrés, donc les bonbons, les chocolats, les sodas, les confitures, les biscuits, le miel, la pâtisserie. Tous ces aliments sont riches en glucides simples, qu'on appelle aussi les sucres rapides. Donc tout à l'heure, on l'a vu, les sucres lents avec les féculents. Et là, avec tous les produits sucrés, ce sont des sucres rapides. Donc ces sucres rapides, ils permettent d'apporter directement de l'énergie qui va être utilisée par l'organisme assez rapidement. Ce sont des aliments qui sont non indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. On peut très bien se priver de ces produits sucrés. Mais ils contribuent au plaisir alimentaire et si on mange sans se faire plaisir, je pense que ça n'a plus de sens, et d'autant plus chez la personne âgée parce que c'est un des plaisirs qui lui reste. Donc il est très important de maintenir justement ces produits sucrés pour la personne âgée. Donc petite conclusion sur l'équilibre alimentaire. Donc l'équilibre alimentaire, c'est manger un petit peu de tous les aliments. L'équilibre alimentaire n'est pas obligé de se faire sur une seule et même journée ou un seul et même repas, il peut s'obtenir sur plusieurs jours. Manger un petit peu de tout permet également d'assurer le bon fonctionnement du corps et d'éviter donc les carences nutritionnelles, que ce soit des carences en vitamines, en minéraux, en protéines, qui est très fréquent chez la personne âgée. Voilà, il faut manger un peu de tout, ne s'interdire aucun aliment, ça c'est le plus important. Et voilà. Donc peut-être avant de commencer cette partie, est-ce qu'il y aurait des questions sur les groupes d'aliments qu'on pouvait déjà... que l'on pourrait répondre ? Pas de questions apparemment. On peut poursuivre. C'était... Ah si, une question, Thierry. Vas-y Thierry, on te laisse poser ta question. Oui, bonjour. Est-ce que vous allez nous remettre ce petit document? On va pouvoir récupérer ce petit document. Il est vraiment bien fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, moi je vous entends. Après c'est Astrid, oui, normalement qui va... D'accord. Oui, moi, si Anaïd est d'accord pour transmettre le document, moi, je le transmettrai avec plaisir. Je pense de toute façon, après, s'il y a le replay aussi de justement cette petite conférence, peut-être qu'après, vous pouvez le retrouver avec les commentaires. Je ne sais pas, on va voir. Mais si Anaïd, je le ferai avec plaisir. Oui, c'est vrai que c'était très clair. Hein, c'était très, ouais, très clair. Bien fait, ouais. Thierry qui est professionnel de la cuisine. Merci. Merci. Ben on vous laisse poursuivre.
Donc, l'équilibre alimentaire, souvent, c'est une question qu'on me pose. Est-ce que si je mange équilibré, est-ce que du coup, je vais perdre du poids ou est-ce que justement, je vais éviter d'en prendre? Donc, pour répondre à cette question, on a un petit jeu. Donc, c'est deux personnes, donc on va dire Madame A et Madame B, qui mangent au restaurant. Donc, Madame A choisit en entrée de prendre du saucisson avec du pain, un poisson pané avec des frites en plat et en dessert une mousse au chocolat. Madame B, qui mange avec elle, choisit une salade de tomates, donc elle va prendre un petit peu de pain pour la sauce, du poisson en papillote avec des épinards, un petit peu de pain également pour saucer, et un yaourt au fruit. Donc là, on se pose la question, mais qui grossit? On trouve que justement Madame A mange assez riche, alors que Madame B a l'air plutôt de faire attention. Donc justement, on va vous donner quelques infos supplémentaires. Donc, vous voyez au niveau des quantités, des calories qui s'affichent, et on se rend compte que le total représente la même quantité de calories. Donc, les calories, que ce soit dans un menu qui est assez riche en graisse ou un menu au contraire assez équilibré, on se rend compte qu'on a la même quantité de calories. Donc, il ne faut pas diaboliser les aliments, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut manger de tout, il ne faut pas s'interdire par exemple les frites, les poissons panés, la charcuterie, mais qu'il faut en manger en quantité adaptée. Vous voyez au niveau du poids, justement, qui s'affiche, 280 grammes pour tout un repas, c'est pas beaucoup. Alors que l'autre, on a quasiment 100 grammes de produits, donc là, la personne va être rassasiée déjà beaucoup plus longtemps avec les fibres, alors que Madame A, justement, va avoir sûrement une fringale dans l'après-midi. Mais on obtient les mêmes dons de calories. Tout ça pour résumer qu'aucun aliment ne fait grossir ou maigrir. Ça, c'est faux. Les légumes ne font pas maigrir, les frites ne font pas grossir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'ancrer. C'est une histoire de quantité. On parle justement de balance énergétique. Donc ça, c'est un terme très intéressant. La balance énergétique, c'est justement, je mange tant de calories et je dépense autant de calories. Dans ce cas-là, on ne prend pas de poids. Si je mange plus que je ne dépense, forcément, on va prendre du poids. Et à l'inverse, si je mange un petit peu moins que ce que je dépense, ou au contraire, je me dépense beaucoup, je mange normalement, mais je me dépense beaucoup, forcément, on va perdre du poids. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balance énergétique. L'équilibre alimentaire, pardon, n'a aucune influence sur la balance énergétique. La balance énergétique, c'est vraiment une question de calories. Il faut que je dépense, il faut que je sois en déficit calorique pour perdre du poids. Alors que la balance nutritionnelle, c'est je mange des produits industriels, pas transformés, riches en acides gras saturés, par rapport à des aliments que l'on va qualifier de sains, forcément, j'ai plus de malchance, on va dire, d'avoir des problèmes de santé. Si je mange autant de produits transformés que de produits faits maison, naturels, sains, ben, l'alimentation ne va pas être un facteur qui va justement influencer son état de santé. Par contre, si on mange sain en évitant les produits ultra transformés, en privilégiant le fait maison, le local, le bio, forcément, notre corps va nous le remercier, on aura une meilleure santé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balance nutritionnelle. Donc voilà, la balance énergétique agit sur le poids, alors que la balance nutritionnelle agit justement sur les carences. On peut très bien, c'est ce que j'utilise comme exemple, manger tous les jours dans un fast-food. On ne va pas forcément prendre du poids si on mange raisonnablement et à sa faim. Par contre, on va développer des carences. On est bien d'accord que ce n'est pas dans ce genre d'alimentation qu'on va retrouver les vitamines, les minéraux, les antioxydants qui vont nous permettre d'être en meilleure santé. Mais on peut ne pas prendre du poids. Voilà. Donc, comment justement on arrive à manger assez de calories? Nous, en tout cas, au centre hospitalier de la Côte Basque, on ne donne pas de ration, on ne donne pas de calories, on n'impose rien.
Par contre, on travaille justement avec nos patients sur les sensations alimentaires. Donc, les sensations alimentaires, c'est d'abord notre faim, donc qui se manifeste justement au niveau de l'estomac. Si on sent que ça gargouille, que là, c'est que notre corps réclame des calories. La satiété, c'est justement quand notre corps ne nous donne plus aucun signal. Je suis rassasiée, j'ai assez mangé. Et donc, le rassasiement, voilà, c'est la satiété de plaisir et il faut éviter d'aller au-delà. Si on mange au-delà de sa satiété, c'est là où on prend du poids. Donc, ce n'est pas vraiment les aliments qui nous font prendre du poids, c'est justement la quantité qu'on en ingère. Si on a très faim et qu'on mange beaucoup, c'est OK. Si on n'a pas très faim et qu'on mange autant que si on aurait très faim, c'est là où ça devient problématique et que l'on prend du poids. C'est ce qui est écrit, ça nous permet d'atteindre notre poids d'équilibre. Voilà. Donc, travailler ces sensations, c'est vraiment la clé, je pense, de réussite, de maintenir un poids, un poids d'équilibre, pardon, ou en tout cas un poids qui correspond à notre morphologie, à ce qu'il faudrait que l'on soit. Voilà. C'est pas toujours ce qu'on représente dans notre tête, un corps svelte. Certaines personnes ne peuvent pas avoir un corps svelte, c'est comme ça. Mais voilà, il faut travailler justement ces grandes images corporelles. Mais ça, c'est encore autre chose. Petit rappel justement sur les seniors qui ont de moins en moins faim. Ça, c'est une problématique que je rencontre également dans les EHPAD. Justement, comment on arrive à leur faire retravailler leur sensation de faim, tout simplement avec des exercices qui font travailler leurs papilles, leurs sens, qui les stimulent tant visuellement qu'au niveau du goût. Voilà, c'est justement un rôle que doit avoir le personnel, justement dans les EHPAD, de mettre en avant les sensations alimentaires chez la personne âgée. Et souvent, c'est oublié, malheureusement. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait manger en pleine conscience. C'est peut-être un thème que vous avez déjà entendu parler, surtout quand on est assez à la mode. On essaye de mettre du sens dans notre repas, pardon. On écoute, voilà, ses niveaux de faim, sa satiété, ses envies. On prend le temps de déguster, ça c'est très important. On s'ancre dans le moment, donc on ne met pas de distractions environnantes avec la télévision, le poste radio, le téléphone, alors ça chez les jeunes, les smartphones, le non-jugement, ça aussi c'est très très important, c'est pas parce que j'ai envie de me faire plaisir avec un burger et des frites qu'il faut que je me dise, ah ben mince, voilà, tu vas encore grossir, tu vas encore, voilà, ça va être une mauvaise influence, c'est pas bon, faut pas que t'en manges, mais si ça nous fait plaisir, c'est bon pour le moral et je pense qu'un moral bien équilibré agit aussi beaucoup sur le poids. Et être attentif, hein, bien sûr, porter son attention sur le ici et maintenant. Donc ça, c'est tout plein d'exercices qui peuvent être mis en place. Donc, en conclusion, vous avez dit bien manger. C'est assez compliqué, hein. Souvent on nous demande comment je peux faire pour apprendre à bien manger, qu'est-ce que je dois faire. Donc, bien manger, c'est allier la santé. Donc, manger équilibré permet d'éviter les carences et le bon fonctionnement de l'organisme, c'est-à-dire en mangeant un petit peu de tous les groupes d'aliments. C'est aussi apporter de l'énergie, donc pas trop d'énergie, pas trop de calories. En même temps, il faut manger suffisamment aussi, sinon on perd du poids et c'est pas tout ce qu'on souhaite, hein, attention. Donc, pour cela, il faut être attentif à ces sensations de faim, de satiété, afin d'adapter les quantités. Éviter de manger au-delà de la satiété. Et en même temps, il faut apprendre à se faire plaisir, manger ce que l'on aime, sinon on est frustré. Et plus on s'interdit les choses, plus on a envie d'y aller, hein, on voit bien avec le confinement, hein, plus on est frustré, plus on a envie justement d'aller au-delà de ses limites. Donc c'est pareil avec l'alimentation, si vous aimez le chocolat, achetez-en, apprenez à le déguster, évitez de manger la plaquette en une fois, mais justement en dégustant le chocolat, on arrive à un moment donné à ne plus du tout faire d'excès avec cet aliment-là, et surtout, il faut l'acheter, il ne faut pas se dire, bah, comme ça, j'achète pas, comme ça, je mange pas. Ça, c'est faux, parce que quand vous allez avoir la plaquette devant vous, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger toute la plaquette. Donc, on se partit. Donc, voilà. Et bien manger, c'est compliqué, et souvent, je recommande de se faire, suivre, hein, même quand on n'a pas de problématique de poids. Même une personne âgée, moi, vraiment, je l'encourage à faire un point sur son alimentation avec comme je l'ai dit tout à l'heure, un diététicien, un nutritionniste,
afin de voir si justement on manque de rien, si on arrive à avoir cette dimension santé, cette dimension énergie et la dimension plaisir. Voilà, et surtout on évite les régimes et les restrictions, surtout alimentaires. Les régimes restrictifs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, ça ne marche pas à court terme, ça ne marche pas à long terme, pardon, ça marche à court terme, mais c'est intenable, et d'autant plus chez la personne âgée, d'avoir que les régimes sont anorexigènes, c'est-à-dire que ça provoque justement une perte d'appétit, notamment les sans sel, les sans sucre, quelque chose qui ne se font plus à partir d'un certain âge, d'autant plus si la personne n'a pas de problème de santé, il n'y a pas de raison de la restreindre, et même après par rapport au diabète et à la dénutrition dont on va parler juste après, il faut éviter des régimes stricts, même pour la personne âgée. Voilà, pareil, petit point en question. J'ai beaucoup parlé. Merci pour cette première présentation qui était très claire et ça donne. Ça fait plaisir qu'on parle de plaisir, en tout cas, de plaisir de manger. Et c'est très important pour nous et pour les personnes âgées aussi. Donc c'est bien que vous l'ayez bien mis en avant, en tout cas. Alors, s'il n'y a pas de questions tout de suite, je voulais partager un menu que je ne trouve pas. Mince. Je voulais vous partager un menu que j'avais ouvert. Peut-être que je ne peux pas partager si... Alors, je quitte et je reviens, ça a marché. Oui, désolée, je voulais partager un menu, mais il ne le détecte pas. Je vais l'envoyer à Julien. Oui, tu peux essayer de me l'envoyer, je vais voir si je peux. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question sur le bien manger, sur tout ce qu'on a évoqué, sur l'équilibre alimentaire. Je vois qu'il y a une main levée, Astrid. Oui, monsieur Geneviève, vous avez une question? Alors, désactivez votre micro, enfin, activez votre micro. Oui, j'ai une question à poser relative... au bien manger, la prise de conscience de manger. Et en est-on vraiment, aujourd'hui, quand on mange, en étant conscience de ce qu'on mange, est-on vraiment conscient du manger? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez du manger de ce qu'on a dans l'assiette ou... De ce qu'on a dans l'assiette, parfaitement. Alors, conscience, c'est-à-dire ce que va nous apporter ces aliments? Oui, tout à fait. Alors, je pense que de plus en plus, on essaye d'éduquer à une éducation diététique. Après, alors, conscient, je comprends pas tellement le sens pour notre santé, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve les protéines, les lipides, comment on construit une assiette équilibrée. C'est ça que vous... Un, la construction de l'assiette équilibrée. Mmh. Deux, l'importance de la mastication. Oui.
Voilà, c'est ces deux points-là. Alors, après, pour construire une assiette équilibrée, justement, on se rapproche de professionnels qui peuvent nous aiguiller, mais déjà, on peut partir d'une trame où on place, alors justement, par rapport aux seniors, hein, on place l'apport de protéines. Pour moi, c'est le principal, c'est qu'ils aient assez de protéines, justement, pour limiter, éviter l'apparition d'un état de dénutrition. Donc, on part sur une portion, donc à côté de ça, on va rajouter une portion de féculents, justement, pour avoir des sucres lents et ne pas avoir des fringales dans la journée. Et soit en entrée, avec la soupe, là, on y arrive bientôt, les salades composées ou des légumes dans l'assiette, on rajoute des fibres, des vitamines, des minéraux, si justement ces légumes sont crus. Et à côté, un produit laitier, justement le calcium, pardon, et un dessert. Alors moi, je pars du principe qu'il faut varier ses desserts, tant des fruits, qu'un yaourt, qu'une mousse au chocolat, qu'une pâtisserie dimanche. Il faut varier ses desserts. Donc déjà, avec cette trame, on arrive forcément à avoir des assiettes équilibrées. Et puis même au-delà du fait que si l'assiette, par exemple, n'est pas équilibrée, parce que justement, au restaurant, on n'a pas forcément la possibilité de manger vraiment bien équilibré, même si maintenant on a fait beaucoup d'efforts. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir une assiette très équilibrée. On peut compenser avec le repas du soir, le repas du lendemain, dans la semaine, rééquilibrer son alimentation. Si on a mangé très gras le midi avec une raclette, beaucoup de pommes de terre et une pâtisserie, c'est sûr que le soir, on va éviter à nouveau de remanger gras, de remanger sucré. Genre, on peut très bien manger un poisson blanc et un peu de légumes avec un yaourt. Et ça équilibre sur la journée. Après, sur la mastication, tout ça, c'est des exercices. C'est vrai que plus on mastique, plus on dit, mieux on digère d'ailleurs. Parce qu'il y a déjà un premier travail de digestion qui se passe au niveau de notre bouche. Donc, plus on va mastiquer, plus ça va être facile à digérer. Voilà, donc il faut prendre le temps de se poser 20 minutes, hein, c'est ce qu'on conseille, dans un endroit calme, avec une assiette qui nous plaît, et puis de déguster, de sentir, tiens, là, c'est un petit peu sucré, là, c'est salé, là, c'est plutôt amer, acide, ça, j'aime moins. Voilà, c'est se poser des questions pendant le repas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est qu'en s'entraînant que l'on y arrive, hein. Les enfants, eux, arrivent à manger en pleine conscience. Ils savent quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut surtout pas forcer un enfant à finir son assiette. Il peut manger beaucoup à un repas, peu à un autre. C'est pas grave s'il se régule tout seul. Et c'est vrai qu'en prenant de l'âge, quand on arrive notamment à l'adolescence, où on est influencé par tout ce qui est alimentation ultra transformée, chips, des choses comme ça, entre les repas, mais forcément, on n'est plus à l'écoute de ces sensations, et puis toutes nos problématiques actuelles, de stress, qui influencent sur notre alimentation, mais les enfants, eux, mangent en pleine conscience, et il faut arriver justement à se détacher, et vraiment à faire un focus sur ce qu'on ressent, pas au niveau de la bouche, qu'au niveau du ventre, qu'au niveau du plaisir. Pour moi, il faut manger avec plaisir, ça c'est vrai. Oui, c'est très intéressant ce concept de manger en pleine conscience. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier et à manger avec plein de parasites autour de nous ou manger trop vite. Donc, c'est important de le rappeler. Donc, j'ai un traiteur qui m'avait envoyé son menu. Donc, avec plusieurs entrées, plusieurs poissons, c'était juste pour faire un petit exercice technique, enfin pratique, on va dire, pour savoir, je ne sais pas ce que vous pensez. Donc, on va essayer de l'adapter à une personne lambda et une personne âgée. Qu'est-ce qui apporte le plus, qu'est-ce qui est le repas le plus équilibré parmi les différentes entrées, poissons, et après, on va voir les viandes et le dessert. Alors après, dans les entrées, enfin même en général, sur cette carte, c'est une carte qui pour moi m'énonce le plaisir à l'état pur. Voilà. Donc, je trouve le plus important, c'est de se dire, j'arrive au restaurant, alors soit dans la voiture quand on y va, alors pas quand on conduit, hein, parce que je vais vous dire de fermer les yeux, donc il ne faut pas fermer les yeux quand on conduit,
Mais voilà, sur le chemin ou juste avant ou en arrivant à table, on ferme les yeux, on s'ancre dans le moment et on se dit, bon là, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que, plutôt du salé, plutôt du sucré? Et en fait, c'est là où justement on adapte le menu. Si j'ai envie de me faire plaisir avec quelque chose à base de foie gras, comme en entrée, les ravioles de foie gras, et bien c'est très bien, je vais prendre ça. En plat, là, par contre, j'ai plutôt envie d'un poisson. Je vais me diriger dans la commande de poisson. Ok, du merlu, pavé de merlu rôti. Et surtout, on ne commande pas le dessert avant d'avoir fini le plat. Je pense que c'est la base, parce qu'il faut déguster et justement écouter nos sensations. Si à la fin du plat, on ne ressent plus quoi que ce soit au niveau de l'estomac, il n'y a pas de raison de prendre un dessert. Je sais que peut-être qu'on peut dire, oui, mais on est au restaurant, il faut se faire plaisir, on veut prendre un très plat dessert. Pour moi, le plaisir, il ne réside pas dans les trois composantes. C'est vraiment de quoi on a envie, plus de salé, plus de sucré. Si par exemple, on a envie d'autant de salé que de sucré, on peut prendre un plat et un dessert. Si on n'a pas envie de sucré, une entrée et un plat, ou alors juste un plat, mais pour moi, juste un plat, c'est pas avoir très faim, et puis souvent, c'est là où on mange du pain. Voilà. Au restaurant, c'est pareil, un petit conseil, éviter de manger du pain, parce que déjà que les repas sont soit coupus, soit assez riches, si on est à l'écoute de nos sensations, on n'a pas besoin de manger du pain. Donc ça, c'est pour, on va dire, la personne lambda. Après, une personne âgée qui va au restaurant, je pense qu'en première intention aussi, c'est voir avec elle ce qui lui fait plaisir. Et puis c'est sûr de mettre en avant ce qui est à base de viande, de poisson. Du coup, on retrouve également les protéines. Donc, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Voilà, le filet mignon de porc, le pavé de merlu, qui sont souvent des belles pièces de viande. Donc ça, c'est quand même à encourager. Après, au niveau des desserts, je pense qu'il faut prendre le dessert que l'on veut. Si on a la possibilité de choisir l'accompagnement, là, on n'en a pas forcément la possibilité, mais on peut se dire, je vais prendre un plat, par exemple, le pavé de merlu m'inspire vraiment. On prend le merlu, mais à côté, au lieu d'avoir de la semoule qui, du coup, apporte du sucre, même si c'est un sucre lent, on peut choisir les légumes croquants et, du coup, en dessert, on va prendre un dessert sucré. Comme ça, ça nous fait la source de protéines, la source de fibres et la source de sucre. Donc là, c'est quand même assez équilibré. C'est le petit conseil. Par contre, si on n'a pas forcément envie d'un dessert, on peut prendre un petit peu de féculent et manger du pain. Parce que c'est une question en fait d'équivalence, de quantité. On ne peut pas manger, pour moi, hein, on ne peut pas manger un burger ou le pain, bien sûr, c'est des sucres lents, avec des frites, c'est pareil, des sucres lents et un dessert sucré. Ça va faire beaucoup de sucre d'un coup. Justement, pour les personnes diabétiques, c'est pas ce que l'on conseille. On en parlera juste après. Après, si vous êtes en capacité le soir de justement compenser cet excès de sucre le midi, ben, faites-le, faites-vous plaisir. Mais il faut quand même penser à compenser. D'accord. Est-ce qu'on pourrait passer aux pathologies spécifiques des seniors? Oui, bien sûr. Donc, deux pathologies spécifiques. Donc, le diabète de type 2, donc c'est un diabète qui intervient souvent quand on avance dans l'âge, celui qu'on trouve chez les enfants, chez les adolescents ou même l'âge adulte, mais qui s'est déclenché quand on était enfant, c'est le diabète de type 1. Donc là, on n'en parlera pas, on va parler du diabète de type 2. Il faut savoir que 12 à 25% des personnes de plus de 65 ans sont diabétiques. C'est quand même un chiffre. 1%. Petit point justement sur le diabète, on a un organe dans notre corps qui s'appelle le pancréas. Et en fait, ce pancréas, il sert à sécréter ce que l'on appelle de l'insuline. L'insuline, à quoi ça sert? C'est une hormone qui permet de réguler le sucre de notre sang. Donc, on va manger par exemple des bonbons, ce sucre va être assimilé, va être digéré au niveau de notre estomac et de notre intestin, pardon, et va être ensuite en attente de partir au niveau du sang. Quand il est au niveau du sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie, c'est le glucose sanguin. Donc, pour que ce sucre passe dans les organes, parce qu'il faut savoir que les organes sont glucodépendants, ils ont besoin de sucre pour fonctionner. Si on ne mange pas de sucre, les organes ne fonctionnent pas.
Donc, ce sucre, pour qu'il passe du sang aux organes, il va y avoir besoin de l'insuline, de cette hormone, qui est la clé, en fait, qui ouvre la porte des organes pour que le sucre passe. Quand on est diabétique, justement, notre pancréas a des problèmes de fonctionnement. Il fonctionne soit moins bien, soit il a été détérioré par tel ou tel processus. Excusez-moi, Anaïde, je vous coupe. Est-ce qu'il y a un diaporama qui défile, là? Non. Ah, ok, c'est ça. Est-ce qu'on peut voir votre caméra? C'est plus agréable de vous voir parler. Oui, faut que je reparte du coup. Là, vous me voyez? Non. Là, peut-être? Toujours pas. Ah oui, ah, là, ça y est. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est beaucoup mieux de vous voir. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de diaporama, parce qu'il y en a qui me posaient la question. Non, après ça va avancer. Hein. C'était juste la partie pathologique, physiopathologique, j'en avais pas encore parlé. Voilà, pour exprimer comment ça se passe. Donc le pancréas fonctionne mal. Donc soit on donne des médicaments qui vont justement stimuler ce pancréas, ou soit on donne des médicaments qui vont atténuer l'absorption du sucre. Alors, on va simplifier. Ou soit on injecte de l'insuline directement dans notre corps pour que le sucre de notre sang passe dans les organes. Donc, quand on a un diabète de type 2, très souvent, on a un surpoids qui s'installe, qui est présent. Donc, si on est obèse, bien sûr, on va encourager la personne à perdre du poids parce qu'il faut savoir que les organes sont entourés de graisse. Donc, plus on va libérer cette graisse autour des organes, mieux le sucre va pénétrer au niveau des cellules de ces organes. On a une insuline résistante. On va aussi ajuster les traitements antidiabétiques, hein, donc comme je vous ai dit, les cachets ou l'insuline. Et d'autant plus quand on est une personne âgée, on supprime certains traitements qui ont été prescrits quand on était plus jeune, parce qu'ils peuvent provoquer des hypoglycémies. Les hypoglycémies, c'est pas assez de sucre dans le sang. On élargit les cibles glycémiques. Donc, par exemple, si une personne doit être entre tel taux de sucre et tel taux de sucre, on va les élargir. Plus la personne va vieillir, plus on va élargir ses cibles, parce qu'on part du principe qu'à 90 ans, on ne va plus avoir vraiment de complications du diabète. Le rôle est un peu de prévenir ces complications. Donc 50, 60 ans, on fait encore très attention, que trouver un 90, on est quand même beaucoup plus laxiste. Il faut aussi maintenir l'activité physique, c'est non ou non, vraiment la base, parce que justement, les muscles brûlent du sucre. On est grand consommateur de sucre. Donc, plus la personne va faire de l'activité, moins elle aura un excès de sucre dans le sang et mieux seront ses glycémies, donc c'est-à-dire le sucre de leur sang. Il faut bien sûr manger équilibré. Donc, ça, c'est important de le signaler qu'il n'y a pas une alimentation pour diabétique. C'est simplement une alimentation équilibrée, riche en fibres. Alors, pourquoi riche en fibres? Parce qu'en fait, les fibres vont piéger le sucre de l'alimentation. Et ça va finir au niveau des toilettes. Et justement, ça va agir sur la satiété. Donc, ça va éviter que la personne grignote. Et souvent, quand on grignote, hein, je ne sais pas vous, mais on ne va pas aller manger du chou-fleur ou du concombre. Hein, on va plutôt se rapprocher d'aliments sucrés. Donc, plus on a des fibres, moins on mange entre les repas, mieux est notre transit et mieux sont nos glycémies. Voilà, limiter les grignotages, c'est aussi important. Donc, ne surtout pas interdire les produits sucrés. Parce que je mets en avant, si on mange une pâtisserie justement le dimanche, il faut la manger. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne peut plus manger de pâtisserie. Par contre, on la mange au sein d'un même repas, comme ça les fibres vont piéger le trop-plein de sucre et ça va être beaucoup mieux au niveau des glycémies. Donc ça, surtout pour la personne âgée, hein, il ne faut surtout pas la priver de sucre. Le conseil à retenir, c'est et donner du sucre, on adapte le traitement, on évite les grignotages, bien sûr, hein, c'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi, mais voilà, priorité au plaisir, d'autant plus pour la personne âgée. Voilà ce que j'avais à dire sur le diabète. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, j'essaie de partager une fiche technique sur le diabète en même temps. Mmh. Je ne sais pas si vous la voyez. Et une autre pathologie des seniors, c'est la dénutrition qu'on observe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien sûr. Donc, hop, on continue sur la dénutrition. Donc, la dénutrition, définition,
état pathologique dans lequel les besoins en énergie et en protéines ne sont pas couverts. Donc, ça résulte d'un déséquilibre entre justement les apports en calories et en protéines et les dépenses. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, quelques chiffres. Il faut savoir que 2 millions de personnes en France souffrent de dénutrition. 20 à 40% en maison de retraite souffrent également de dénutrition. 5 à 10% des personnes âgées à domicile et moins de 5% non âgées à domicile. Donc, vous voyez, ça touche quand même très fortement les personnes âgées. Donc, comment on devient dénutri? Donc, soit on ne mange pas assez. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on vieillit, on a moins soif et on a aussi moins faim. Donc, forcément, on mange moins. On peut aussi manger moins parce que justement, il y a des problèmes bucco-dentaires, on n'arrive plus à mâcher, ou des problèmes de déglutition. Donc, c'est pareil, on limite certains aliments qui ne passent plus. Soit aussi, d'autres pathologies font qu'on mange moins. Soit on dépense trop. Donc, dépenser trop, c'est une activité physique trop intense, hein, surtout quand on est une personne âgée. Mais ça peut être quand on a un cancer. Donc, le cancer est une maladie qui, justement, fatigue le corps, utilise beaucoup de réserves dans le corps. Donc, ça va augmenter le métabolisme de la personne. Et plus le métabolisme est haut, plus on doit manger. Donc là, c'est souvent le cas chez la personne âgée. Ce sont toutes les maladies chroniques latentes qui font que la personne n'a pas assez d'apport et dépense trop. Voilà. C'est ce qu'on appelle les deux causes possibles aussi. On peut très bien ne pas assez manger et trop dépenser de calories et de protéines. Donc comment on prend en charge la dénutrition? Donc, je vous l'ai fait vraiment très, très simplifié. Principalement, en première intention, on va enrichir les préparations alimentaires. Donc, ceux qui ont déjà travaillé avec les personnes âgées, justement, que ce soit pour le portage des repas ou en EHPAD, on a toujours un menu enrichi. Ça, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Les compléments nutritionnels oraux, aussi CNO, donc des laboratoires qui font des boissons, des crèmes, des biscuits qui sont riches en calories et riches en protéines. Et ensuite, on a l'alimentation artificielle avec des poches qui nourrissent, qui apportent un complément de calories et de protéines aux patients, tant par la voie veineuse que par la voie du système digestif. Donc, sur l'enrichissement de l'alimentation, donc que ce soit au domicile ou en structure, le but est de rajouter des calories sans modifier le volume, parce que ça, c'est très important. On peut pas, vu que la personne n'a pas très faim, c'est très compliqué de lui faire manger des grands volumes. Donc, on rajoute des calories donc, via le gras, les protéines, le sucre, donc les matières grasses que l'on rajoute dans les soupes, dans les purées, c'est très facile de rajouter beaucoup de beurre, beaucoup de crème fraîche. Le fromage, donc râpé, alors ça, il faut faire attention aussi aux personnes âgées qui souffrent de troubles de la déglutition, qui fait que les fils du fromage restent coincés au niveau de l'œsophage. Ou sinon, les fromages type Kiri dans le potage, les purées, rajouter des œufs, du jambon mixé, des croûtons et de la poudre de lait. Donc, dans les préparations salées, c'est un petit peu plus compliqué, même si dans les appareils à flanc, à quiche, c'est plus facile d'incorporer de la poudre de lait. Mais surtout dans les desserts sucrés, là, c'est très facile d'en mettre quand on fait justement du riz au lait, une crème catalane, un clafoutis. Donc là, on peut mettre de la poudre de lait, rajouter du sucre, rajouter des œufs dans les recettes de base, privilégier les yaourts comme le yaourt à la grecque, hein, qui a quand même dans ce yaourt à la grecque une petite plaquette de beurre, vous savez, dans les hôtels, voilà, c'est l'équivalent. Une petite plaquette par yaourt à grecque. Ça, c'est très intéressant pour justement apporter des calories. Donc ça, il faut se rapprocher. Il y a beaucoup de ressources qui existent justement sur l'enrichissement des plats. Et pareil, faire appel à un diététicien dans les structures pour justement adapter les recettes, les fiches techniques, proposer des régimes enrichis aux personnes âgées. Donc là, je parle des structures, mais au domicile, c'est pareil. Hein. La poudre de lait, ça se trouve très facilement en grande surface au niveau des laits en poudre, hein, qu'on appelle régilé, hein, sans citer de marque. Et on enrichit comme ça les préparations. Pareil pour la soupe, la purée, c'est quelque chose que l'on peut faire à la maison. Et après, si c'est toujours pas suffisant, rajouter les compléments nutritionnels oraux. Et pourquoi pas, alors la nutrition artificielle chez la personne âgée, on évite hein, quand même.
On ne va pas être en EHPAD avec une poche, mais en tout cas au domicile, à 70 ans, oui, je pense qu'il faut passer aussi par la nutrition artificielle, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, la dénutrition, on est en plein dedans, hein, vraiment, de plus en plus on en parle et c'est très important et il faut vraiment, vraiment travailler sur l'alimentation quand on est dénutri. Donc, vous parlez d'enrichir l'apport nutritionnel. Est-ce que ça a un rapport avec l'indice glycémique? Alors, non. Enrichir, c'est vraiment apporter des calories, du gras, du sucre et des protéines. Ça, c'est vraiment enrichir parce que la personne, elle a besoin de plus que ce qu'elle a déjà. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment, du sucre de l'aliment, à rentrer dans nos cellules. Donc, plus l'index glycémique est haut, par exemple, si on prend du sucre, hein, du sucre blanc, plus le sucre va monter, plus la glycémie va monter rapidement et atteindre un plafond qui est assez haut. Plus l'index glycémique est bas, par exemple avec les sucres lents, notamment, je sais pas, les lentilles, hein, ça va être très bas. Là, ça va apporter du sucre, hein, c'est normal, c'est un sucre lent. Mais on va voir la glycémie monter légèrement, puis après se stabiliser dans le temps. Ça évite des pics. Voilà. Donc, une personne âgée qui n'a pas de pathologie spécifique doit avoir le même apport calorique qu'une personne lambda. Une personne dénutrie doit avoir un apport calorique plus élevé. Tout à fait. J'ai bien compris. Tout à fait. Très bien. Que ce soit en protéines ou en calories, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler des textures modifiées pour les personnes souffrant de déglutition? Alors, il existe donc plusieurs types de textures. Donc déjà, on parle de la texture entier, celle qu'on mange tous, on va dire. Donc là, il n'y a pas d'adaptation. Et en partant de cette texture entière, on va avoir une texture tendre. Déjà, donc on évite tous les aliments qui sont durs à mastiquer. On privilégie par exemple le poisson, le jambon, les pâtes, des choses assez molles. Donc ça, c'est le premier stade, c'est une texture tendre. Ensuite, on a une texture qui va être moulinée. Alors ça dépend aussi des protocoles et des structures. Moulinée, ça va être par exemple les viandes qui vont être comment dire, mixées. Par contre, l'accompagnement va être entier. On part du principe que la pomme de terre, on peut l'écraser un petit peu dans le plat. Pareil, les pâtes, assez cuites, on peut aussi les écraser. Là, le pain, ça va être du pain de mie. Du pain classique et ensuite on a la texture lisse qui est justement où tout est mixé, donc surtout ne pas mixer et la viande et la garniture, donc faire deux mixés différents afin justement que ça glisse tout seul, que ça soit aussi plus attrayant au niveau du visuel et que la personne du coup n'ait pas de problème pour déglutir si l'alimentation est lisse. Et après on a tout ce qui est manger-main. On a des textures qui sont assez compactes pour que la personne puisse l'attraper si elle a des problèmes justement de tremblement. Ça, c'est les textures alimentaires. Et après, pareil, au niveau de l'hydratation, le même stade, l'eau plate, ensuite l'eau qui va être un petit peu plus épaisse, l'eau qui va être gazeuse. Parce qu'en fait, quand on vieillit, on n'arrive plus à ressentir au niveau de la trachée la nature du liquide. Et du coup, on confond avec pour qu'on passe liquide et le trou de la respiration. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des fausses routes où en fait le liquide que l'on boit va atterrir au niveau des poumons. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant parce que énormément de personnes âgées souffrent de troubles de la déglutition, donc il faut absolument tester des personnes âgées avec l'aide d'un orthophoniste apparemment qui est spécialisé là-dedans pour déterminer justement la texture de l'eau. Et adapté, pareil, avec des couleurs, avec des goûts, qui permettent en fait d'envoyer un message au cerveau. Là, c'est de l'eau qui est gazeuse, c'est de l'eau au citron, c'est de l'eau avec du sirop sucré. Donc, je vais aller le mettre dans le bon trou et pas passer au niveau des poumons. Voilà. D'accord. Il existe aussi de la poudre épaississante pour épaissir les liquides. Tout à fait. Donc, soit avec des goûts, de l'agar agar. Il y a plein de choses qui existent pour épaissir, de la blédine dans les boissons chaudes. Toutes les boissons peuvent être épaissies. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui est aussi très important, c'est de se référer au mode d'emploi de tous ces épaississants.
qu'il ne faut pas la même quantité pour chaque texture et entre chaque produit, c'est des quantités aussi qui diffèrent. Donc, surtout pour avoir la bonne texture, c'est se référer au mode d'emploi du produit que l'on a acheté pour épaissir les liquides. D'accord, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, parce que là je suis en train de montrer en même temps les fiches techniques avec les différentes pathologies. Une dernière pathologie dont je voulais parler, la carence en vitamine D. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Donc les personnes âgées sont très très carencées en vitamine D, enfin d'ailleurs toute la population, cette carence en vitamine D, pourquoi? Parce qu'on est moins exposé au soleil, surtout en période hivernale. Et puis on mange aussi moins c'est de poissons gras, on n'est pas des fréquents quand on mange des poissons gras. Il faut absolument se faire supplémenter quand on est une personne âgée en vitamine D plusieurs fois par an. Se faire bilancer au laboratoire justement pour doser la vitamine D et prendre ce qu'il faut. Privilégier, comme je l'ai dit, le poisson gras, les matières grasses végétales qui sont sur la vitamine D. Et puis s'exposer le plus possible au soleil. Ça, c'est important, surtout c'est les personnes âgées qui sont en structure. Absolument l'hiver, leur permettre, quand il fait bon, bien sûr, hein, de les mettre dehors le plus possible pour qu'au niveau de la peau, c'est très de la vitamine D. La vitamine D qui, je rappelle, est très importante justement pour la solidité osseuse. Donc, quand une personne âgée souffre d'ostéoporose, c'est pas que empêcher ses préparations ou son alimentation avec des aliments riches en calcium, c'est aussi vérifier sa vitamine D afin d'avoir la vitamine D permet de fixer le calcium sur les os. Donc si on n'a pas de vitamine D, le calcium ne va pas se quitter et ça va partir au niveau des reins. Donc ça c'est très important de et vérifier la vitamine D et la calcémie donc le calcium dans le sang. D'accord, merci Anaïde. J'ai partagé du coup les fiches techniques, si vous voulez aller plus en détail sur les pathologies. Donc, ce sont des fiches réalisées par le CNISAM et le site Menu Équilibre Artisans pour vous aider à réaliser des menus équilibrés. Julien, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oh, juste, tu as dit l'essentiel, mais oui, voilà, les fiches qui ont été réalisées reprennent un petit peu en condensé ce qu'a dit Madame au niveau de la nutrition, elles ont été réalisées en collaboration avec le CHU. Donc, c'est vrai que ça permet de reprendre pathologie par pathologie quels sont les grands leviers d'action que l'on peut utiliser pour justement jouer sur les carences ou les problématiques que peuvent rencontrer les seniors. Il y a 10 pathologies voilà, qui sont décrites. Exactement, qui sont grosso modo les pathologies principales. Au niveau du site Menu Équilibre, voilà, c'est un site qui est en libre accès, qui est totalement gratuit et qui dispose d'un outil qui va vous permettre de justement sur un planning de d'essayer de gérer au mieux un menu qui sera équilibré. Donc n'hésitez pas, c'est des outils qui sont gratuits. Vous retrouvez aussi des fiches sur la réglementation, sur les normes, des menus. Donc tout est gratuit, c'est téléchargeable sur le site du CNISAM. Ou sur les liens que Astrid vous a fournis directement dans le chat. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la personne âgée, il faut qu'elle se fasse plaisir, tout comme nous. Ensuite, concevoir des menus pour la personne âgée, je pense qu'il faut aussi être à son écoute, à l'écoute de ses pathologies, de ses besoins. Donc, Monsieur Geneviève, est-ce que vous voulez témoigner sur votre expérience avec les personnes âgées, les seniors? J'active mon micro. Écoutez, on a fait un test auprès d'une EHPAD, bon, essentiellement autour de la gamme créole. On l'avait fait justement à l'occasion du premier confinement, puisque le cœur de notre métier n'étant pas destiné, si je pourrais dire, au portage de repas aux personnes âgées, mais bon, aujourd'hui, étant riche d'une première expérience qui certes a été courte, mais ce qui nous a permis effectivement de découvrir, si je pourrais dire, ce public
avec ses spécificités culinaires, effectivement, les différentes pathologies susceptibles de générer aussi à l'occasion d'un repas. Bon, on n'en a pas eu, hein, puisque je vous dis, c'était une opération ponctuelle, mais qui nous a appris à maîtriser et à faire attention, effectivement, de l'équilibre alimentaire, à apporter les acides gras, à faire attention sur les épices, parce que dans notre cuisine, nous, on travaille beaucoup les épices, et tout le monde ne peut pas, effectivement, supporter cela. Donc, il a fallu qu'on apprenne à doser, même si on a vu le bienfait des épices sur certaines personnes, mais on a vu aussi les méfaits sur d'autres. Oui, il faut faire attention aux épices, c'est important. Surtout dans la cuisine créole, vous devez en mettre. Donc, il faut s'adapter aux besoins de la personne et à ses goûts, bien sûr. Par contre, pour le portage de repas, c'est de plus en plus demandé. Après, ils ont droit à des aides par leur commune. Donc là, ils doivent se rapprocher du CCRS pour savoir quel artisan ou quelle structure est associée à ces aides de portage de repas. Mais elle a le droit de choisir n'importe quel artisan qui ne lui donnera pas forcément d'aide financière, mais elle peut choisir son artisan, bien sûr. Est-ce que Anaïde, vous souhaitez rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour faire part de son expérience avec les personnes âgées? Alors Anaïde, pardon, votre micro est coupé. Effectivement. Je trouvais très bien justement de mettre en avant ces menus créoles, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on organise dans les EHPAD pour lesquels je travaille aussi, c'est des menus à thème, où justement on a un thème créole, où aussi l'animatrice met en avant les produits créoles, les épices, avec justement des activités qui font appel au sens des personnes âgées des EHPAD. Et souvent, on arrive à faire des repas justement assez équilibrés avec ces ingrédients. Et je trouve vraiment très bien de montrer autre chose que la culture française, du territoire de métropole, et aussi d'amener l'outre-mer, parce que beaucoup de résidents, surtout la génération 80 ans, n'est pas du tout au courant de l'alimentation créole. Moi, très souvent, c'est ce qu'on me dit, les épices, c'est pas pour moi, ou non, c'est trop fort. Et au contraire, je trouve ça très bien de démocratiser cette cuisine. Franchement, chapeau. Exactement, c'est bien aussi pour les seniors de goûter à d'autres choses que ce qu'ils connaissent et de les ouvrir à de nouveaux plaisirs culinaires. Mais écoutez, si personne n'a d'autres questions, on va terminer cette visioconférence. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, je remercie surtout donc Anaïde qui est venue faire une intervention pour nous, pour cette journée des seniors.